salut tout le monde, c'est Pagrin de Commandez-vous, moi je vais bien, on se trouve aujourd'hui pour Bioshock 2. Et on va faire un truc déjà parce que putain j'ai mal aux oreilles. Ah, on va mettre à 5. Non, à 4. Voilà. Pourquoi? J'ai dit le son à 4. Ah, volume principal, putain. Alors, en fait, tout mettre à 10. Tout mettre à 10. Et puis mettre à 5. Il veut pas. Oh, tout mettre à 4. Tout le temps à 4. Ok, j'espère que ce sera bon. Bonjour et bienvenue dans Bioshock 2, le let's play. Putain, j'avais dit que je le ferais. Et alors, ce let's play, vous savez tous l'histoire que j'ai avec ce let's play. Le let's play que j'ai jamais réussi à finir. Que j'ai essayé de faire 4 fois. Là, on est à la cinquième fois et j'ai toujours pas réussi en 5 fois. Donc j'espère que là, je vais réussir. Normalement, j'ai essayé de chercher des trucs sur Internet. Voilà. Ça, j'ai désactivé ça qui semblait normalement être à l'origine des problèmes que je rencontrais lors de tous mes let's play. On regarde juste un truc avant de commencer le jeu. Oui, on a les outils de dialogue. Et maintenant, on va pouvoir commencer le jeu. Et savourer, putain. Go! 5 fois. Bon alors, contrairement à ce que je fais d'habitude où je raconte un peu l'histoire avant de commencer, là je vais essayer de laisser l'histoire couler d'elle-même en rajoutant des éléments. On va découvrir cette histoire ensemble, bien que je connaisse certains éléments grâce aux livres. Et oui, il y a des livres de développement qui sont sortis. 1958. Donc ça se passe un an avant le grand crack boursier de Rapture de 1959. Avant que tout le monde pète un câble, avant que la révolution n'éclate en fait. Visiblement notre personnage est plus lourd. Nous ne contrôlions pas un humain, mais un protecteur. Regarde, papa, c'est toi. Viens, mon papa, on va jouer. Donc Rapture est déjà quand même en décadence, hein. Il y a des fuites d'eau, il y a des cadavres dans les rues là. Donc on sent quand même Rapture est mal barré. Il y en a d'autres, papa. Par là. Raté. Et le plasmide protecteur. Enfin gardien plutôt. Bien, maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Bien, à genoux s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien, prends cette arme. Place-la contre ta tempe. Appuie. Ah!
Eh bien. En fait, visiblement, non, notre personnage ne sera pas un protecteur. Bon, alors, je comprends pas. On va contrôler Eleanor. 10 ans plus tard. 10 ans, ça fait 68, donc c'est quelques 7 ans à peu près après Bioshock 1. Si mes maths sont corrects, je pense pas qu'elles sont correctes, hein. Je sais même, je crois qu'on a commencé en 52 dans Bioshock 1, donc voilà. Oh, Tenenbaum. Est-ce que tu m'entends? Ton signal est très faible. D'accord. Tenenbaum essaie de nous contacter. Oh! On est le protecteur? Oh. On est le protecteur. Or, très bien, nous voici donc dans Bioshock 2. Ok, très bien. Donc nous voici réveillés après 10 ans. Donc on peut remarquer que Bioshock est... que Rapture est en putain de décadence. Il y a des coraux qui sortent. C'est encore pire qu'avant. Il y a de la moisissure sur les murs. Regardez, même l'interface est rouillée et tout. C'est impressionnant. Et donc Tenenbaum nous a fait sortir d'une vita chambre. Donc je pense qu'elle a dû réactiver les vita chambres. Ou alors peut-être qu'après la mort de Ryan, les clés génétiques ont été annulées pour Ryan. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on aura des informations. Mais visiblement, Tenenbaum veut nous faire sortir. C'est visiblement elle qui nous a fait sortir de là. La chute de Babylone. Et c'est bizarre que la ville soit toujours debout en fait, presque 10 ans après... Hein ? Attends, reviens ! Elle a disparu dans un clipping. Petite sœur. Donc ça serait amusant de voir en fait ce qui s'est passé presque 10 ans après la mort de Ryan. Est-ce qu'il y a encore des chromosomes ? Est-ce qu'il y a encore des gens ? Bon, s'il y a un jeu, c'est que j'imagine que oui, il doit y avoir encore des chromosomes sous mer. Tain, casse tout. Ok, il y a des petites sœurs qui passent. Petite sœur. Très bien. Bon, je sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air vénère. Il était pas content. Lambe voit tout. Lambe. C'est qui Lambe? On est dans une piscine, visiblement. Porte est fermée. Ok. Donc, la porte est fermée et c'est ça qui est censé ouvrir la porte, visiblement. On va y voir ça. J'en ai besoin. Vous m'entendez? Allô? Foreuse. Donc ça répond à mes questions. Il y a visiblement encore des chromosomes. Non, Fufu, arrête d'envoyer des baoup. Prochain baoup, je vais devoir pas s'en occuper. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Une raquette? Balle de tennis? Oh, un code. 1540. Oh bah tiens, il est noté même. C'est pratique ça. Quand le code est noté. Je pense que c'est le tuto pour ouvrir les clés. Bah, c'est pas ça? Non. 1. 5. 4. 0. Cadavre. Des dollars. Donc on est toujours sur le même système que le premier. Oh! Mais quel bêta j'ai épousé. Vraiment. Il dépense tout. Regardez ses les chromosomes. En fortifiant pour se donner des airs d'athlète. On dirait des poissons maintenant. Excuse pour poser son popotin de fainéant sur son fauteuil toute la journée. Steven, je lui ai dit. C'est dégueulasse. Tu veux garder la ligne?
Alors viens faire quelques brasses. Tu ne vois pas que c'est ton cerveau qui s'atrophie avec ses saletés. Peut-être que je devrais injecter quelques doses de fortifiant mental dans son régime. Donc, Lamb, c'est la femme qu'on a vue donc il y a 10 ans. Lamb is watching. Il n'y avait pas ces posters-là dans BioShock 1. Est-ce que elle aurait pas repris les commandes après la mort de Ryan? En tout cas, contrairement à Ryan qui lui était... il n'était pas considéré comme un chef parce qu'il n'était pas un chef, il était simplement l'instigateur du projet. Et il disait à tout le monde, démerdez-vous en fait, faites des trucs, moi je m'en fous de ce que vous faites. Elle, on dirait qu'elle est beaucoup plus... adulée. Lamb is watching. Ça fait deux fois qu'on voit ça. Puis c'est des papillons autour de son portrait. Ça fait très Big Brother. Hein. Et puis Brillant de Rapture, 1952. On a Ryan, on a Souchong, je pense que c'est Cohen, ça on dirait Cohen. Hein. Ça c'est Tenenbaum. Je sais plus c'est qui lui. Je sais plus c'est qui. Il est dans BioShock 1, mais je ne sais plus c'est qui. Peut-être non. On dirait Hitler, hein, mais c'est pas Hitler. Et là on a Lamb. Donc Lamb côtoyait Ryan et Souchong. Il va y avoir des. On va peut-être avoir des trucs en plus. C'est bizarre qu'on en. C'est bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler dans BioShock 1, ceci dit. Hein. Viens vite me retrouver. Eleanor. Dépêche-toi, papa. Ah. L'arc électrique. On va visiter le reste à côté avant. Eleanor, notre fille, aurait grandi. C'est joli. Alors attendez, on vient de voir, les sous-titres ne mentent pas, ils ont marqué Eleanor qui parlait. Ce qui voudrait dire que notre fille aurait grandi, elle nous aiderait. Parce que là visiblement c'est elle qui nous envoie ça. Du ciel, requin, des trucs. Prenons. Ah, le retour des plasmides, oui. Ça doit faire vachement mal, n'empêche, un plasmide. Bah, je pense que ce qui fait mal, c'est qu'il puisse s'imprimer dans le code génétique, quoi. Tu as beaucoup dormi. Oh ! Très très longtemps. Et Eleanor était très triste. Trouve-la et tout ira mieux. Yot ! Monsieur P ! Attends ! Elle a laissé tomber son... sa peluche de protecteur. Putain, on est massif. Ah, et là, un truc trop génial de BioShock 2. On peut jouer de l'arme et du plasmide en même temps. Et ça, c'est trop génial. Ça, c'est une évolution. Le précieux agneau de Dieu. Je sais que j'atteindrai la nouvelle Jérusalem. Tellement introverti que personne n'a le remarqué. Attendez, il veut faire l'envol vers le pays de Jérusalem. Envole-toi vers Jérusalem. Pan, tac, foreuse. Ça marche bien la foreuse. Il est où? Est-ce qu'il s'est envolé vers Jérusalem? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Donc du coup, on va pouvoir lancer le groupe électrogène pour ouvrir la porte. Go! Nice! Ah, tiens, j'avais oublié ça. Ok, les guignols. Je vais tout répéter une dernière fois. Primo! On va voir ce qu'il y a en dessous. Ah merde! Enfin, un signal. Écoute-moi bien, toi qui. Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps. Désolé, j'ai coupé Tenenbaum en plein milieu de son discours, c'est chiant. À la vie. Mon nom est Tenenbaum. Oh! Je sais qui tu es. Un videur? Et j'ai besoin de ton aide. Beaucoup. Fuel. S'il te plaît. Viens me rejoindre à la station de l'Atlantique Express. B. Rapture est toujours là, on voit encore les bâtiments et tout. Donc, pas fini d'écouter ça. Ok les guignols, je vais tout répéter une dernière fois. Pas passer. Primo, vous êtes sous l'océan maintenant.
Ça veut dire que si vous entendez le plic-ploc de la pluie quelque part, vous êtes foutu. Deux yeux, vous pouvez relancer un groupe électrogène capable de. Il y a le plic-ploc de la pluie là. Mais avant, faites sortir les invités de la piscine. Les gens de la haute, ça leur met les foies de voir un prolo balancer des éclairs. Vous saisissez? Ouais, normal. Normal. Alors, du coup, on va par là. Oh, une Rosie. Donc les producteurs sont encore en train de travailler ici. Très bien, ils s'occupent des fuites. Ils font bien leur travail, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un enregistrement. Nice. On aime les enregistrements. Ce message est pour ma fille, Eleanor. Bientôt, tu naîtras. Et Rapture sera ton foyer. Sophia Lambe. Tu seras élevée comme je l'ai été, dans l'unique but de servir l'intérêt général, guidé par la psychosociologie. Le potentiel de cette cité est immense, Eleanor. Cependant, nos croyances ne sont pas les bienvenues ici. Tu grandiras dans la souffrance. Mais vois-tu, Eleanor, il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. Montrons-nous patientes avec elle, et un jour, Rapture sera nôtre. Elle cherche le contre. Elle cherche à prendre. Alors, ça se passe avant que Eleanor soit née. Donc, avant 1958. Possiblement, elle devait avoir 5 ans. Début des années 50, du coup. Quand Rapture était encore florissante. On dirait qu'elle veut prendre le contrôle de Rapture. Elle veut prendre le contrôle de Rapture à Ryan. Bon, bah, visiblement, elle l'a réussi. Ça fait des semaines que je n'ai pas eu une goutte d'adam. Arrête un peu, princesse! On t'a qu'à aller pleurnicher auprès de Lambe si t'es aussi désespérée! Pourquoi pas, après tout? Si je fouille encore ne serait-ce qu'une poubelle, vraiment, je vais. Arrête de chouiner, je te dis! Espèce de. Ça marche bien! Ici le docteur Sophia Lambe. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de tout Rapture. Vous le sentez, le Big Brother is watching you, là? Putain. Donc, visiblement, il y a une crise. Il y a une crise économique de la dent, ici. Et ouais, comme quoi, la crise, c'est pas qu'en France. Il y a une crise économique de la dent, on n'a plus d'Adam nulle part. Incroyable. Tant d'années ont passé, et me voilà de retour à Rapture. Ah, du coup, elle est ressortie, revenue. Les petites sœurs que j'ai sauvées ont grandi. Elles m'ont oublié. Après les horreurs que je leur ai fait subir, c'est une chance que d'avoir quitté leurs souvenirs. Les petites sœurs ont grandi, voilà, ouais. Aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des petites sont englouties par la mer, kidnappées. C'est pour ça que je suis revenue. Je sais que quelqu'un ici continue mon œuvre et forme de nouvelles petites sœurs. Je dois l'arrêter, même si cela veut dire mourir ici. Ah, voici notre pistolet. C'est un gros pistolet, hein, du coup. Bonjour. Je ne sais pas viser. Donc il est un peu plus punchy que le pistolet qu'on a dans Bioshock 1. Mais c'est pas important, hein, en soi. C'est marrant. Alors, on le fouille. Du coup on fouille un petit peu tout. Et donc, du coup, les petites sœurs qu'on trouve dans ce jeu sont en fait des enfants qui ont été kidnappés à la surface. D'accord. Ressource énergétique. Hop. J'ai bien failli ne pas survivre à la descente. Mais j'y suis enfin. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières. Et quelques ombres filantes aussi. Bref, je parle pour ne rien dire, ou pour me rassurer peut-être. En tout cas, j'espère que si je trouve ce docteur Lambe, je retrouverai ma petite Cindy. Docteur Lambe, eh bien. Donc il y a bien confirmation, hein. Des enfants se font kidnapper et emmener dans Rapture. Et donc des personnes y vont. Bonjour toi. Alors du coup, comment ça se passe? Je vais gagner de la dent. Comment ça se passe maintenant que je suis protecteur? Déjà, elle est contente de me voir. Il s'est
La grande sœur, elle veut pas qu'on joue tous les deux. La grande sœur? Oh, c'est vous. Bordel de merde. Vous êtes rapide, madame. Oh, j'aime pas ça. Oh. Bam. What? Elle a 1 milliard de PV? Comment on fait? Putain de merde. Eh, calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Là. Là, ils veulent pas que je la batte, j'espère. Comment on fait? Comment on fait? Elle est partie. Elle est partie. Ici le docteur Sophia Lamb. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, la grande sœur voit tout. Voler de la dent, c'est voler la famille de Rapture. Votre famille. Oh putain. Oh le communisme à l'état pur. Oh du jean. Oh là 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 là. Moi je vois le sous-texte de ce message. La grande sœur voit tout. Ah bah tiens, j'ai. Quand on vole de la dent, c'est voler la famille. C'est-à-dire que maintenant, si on va vouloir prendre de la dent, on va se faire attaquer par la grande sœur. Oh putain de merde. Oh Ryan. J'ai insisté pour qu'on passe le week-end à Adonis. J'ai déjà grand besoin de faire une pause dans mes vacances. Dès qu'elle croit nécessaire de me gronder parce que je travaille, ses mots se transforment en un long gémissement, comme un animal blessé. J'ai fondé Rapture pour me libérer de Dieu et des lois des collectivistes, pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale. Et pourtant, quand Diane parle de porter mon enfant, je suis bien obligé de réfléchir. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais pensé à mon héritage. Peut-être, peut-être après le nouvel an, nous en reparlerons. Après le nouvel an, lol. Ouais. Bah au final, t'as porté, elle a porté ton enfant. Hein. Putain, c'est flippant. Elle se fout de notre gueule en fait. On dirait qu'elle veut qu'on la suive. Nous renaîtrons dans les entrailles glacées de l'océan. Très bien. Oh, vous la sentez la reine là? Allez, c'est parti, on va se fight. Ramène-toi. Qu'est-ce que tu... Non, non, mauvaise idée, mauvaise idée. Mauvaise idée. Oh. Ah. Ah bah oui, on a un scaphandre. Bon. Du coup, nouveau gameplay. Le gameplay sous-marin. Bon, qui n'est pas très développé dans le jeu, puisqu'on peut pas tirer en fait, on peut que marcher. Donc, ce qui veut dire qu'on trouvera pas d'ennemis en fait pendant ce gameplay. On peut pousser les machins, c'est trop bien. Et on va couper le premier épisode ici, j'en suis désolé. Mais on a pas mal fait des trucs, là, on a découvert des trucs. On est 10 ans plus tard. Et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Rapture est encore plus décadent qu'avant. Et moi, ça me tarde de découvrir un peu ce que le jeu nous réserve. Parce que là, pour le moment, c'est vraiment cool. C'est vraiment jouissif de défoncer du chrosome à coups de foreuse. C'est cool. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!